Hello tout le monde, bon j'espère que vous allez bien. Clairement là, vu qu'on est à contre-jour, on voit rien. Du coup, vous avez peut-être vu hier vite fait dans la vidéo que je vous ai montré ce que j'étais en train de faire. Donc du coup, voilà, je vous le dis dans cette vidéo, je sais même pas, ça se trouve ce sera des vlogs séparés. D'ailleurs aujourd'hui on est le 3, le vendredi 3 décembre et là il est 13h. Je suis levée depuis un long moment déjà. Je suis en train de bosser en fait, donc du coup c'est pour ça que j'ai pas pris mon téléphone pour vous filmer. D'ailleurs il faut vraiment que je reprenne cette habitude de filmer avec la caméra pour vraiment avoir une qualité bien plus cool. Voilà, faut vraiment que j'y pense. Du coup voilà, la grande nouveauté c'est que je fabrique moi-même mes bijoux. Alors je vais continuer à mettre des bijoux de fournisseurs je pense, voilà. Là pour l'instant en gros, donc je vais vous montrer là les quelques-uns que j'ai fait hier et aujourd'hui. Hier j'ai passé 3h30 pour faire 4 colliers et un bracelet, enfin bref, abusé. Donc ça c'est celui que je viens de faire aujourd'hui. Donc pour l'instant ce sont des colliers assez minimalistes, enfin vraiment assez, mais quand même avec des petites touches assez cool. Plus tard j'ai envie de faire aussi avec des chaînes, etc. Donc là en fait ce sont des colliers qui s'enfilent tout simplement par la tête, donc ils sont élastiques, hein. Donc ça celui-ci c'est avec un œil, voilà, l'œil de protection. Ça je trouvais ça vraiment cool et ça du coup je vais en faire plusieurs, que ce soit en collier, en bracelet, etc. Peut-être même une bague, je sais pas. Il faut que je fasse aussi des petites bagues, parce que je trouve ça hyper mignon. Les petits ensembles comme ça de bagues en perles, je trouve ça archi, archi mignon. Donc voilà pour celui que j'ai fait aujourd'hui. Ça m'a pris 1 heure, clairement, parce qu'en fait, les perles sont toutes petites, donc à enfiler, il faut que je mette tout dans le fil. Enfin, bref, ça met beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Voilà, mais je kiffe, franchement, je suis trop contente. Donc j'ai pas mal de... Là, je vais pas vous montrer tout ce que j'ai devant moi, toutes les perles, etc. Je vais aussi en faire les signes du zodiaque. J'espère que vous allez kiffer. Je vais vous montrer d'autres, donc un qui est complètement dans un autre style. Celui-ci qui est assez classe, il est vraiment canon. Donc du coup, c'est avec des perles un peu plus grosses et qui sont un peu taillées. Et donc du coup, c'est du bleu marine avec du lilas. Et vraiment, je le trouve hyper joli, hyper classe. Ensuite, celui-ci que je trouve mais beaucoup trop mignon. Donc c'est avec des perles un peu nacrées, on dirait un peu des perles de style sirène un peu. Donc du coup, je kiffe avec un joli petit papillon comme ça qui est dans les tons un peu rose lilas. Et il y a des petites paillettes, je sais pas si vous allez bien voir, je pense pas. Et ça, il y en aura plusieurs avec des papillons de couleurs différentes. Voilà. Alors donc j'en ai fait des plus ou moins longs. Là, je vais faire vraiment un raz-de-cou, raz-de-cou. Là, j'ai commencé, donc j'ai coupé le fil. Et voilà, donc là, je vais vraiment faire un raz-de-cou. Et justement, je vais en faire un aussi, donc du coup, avec un papillon. Je ne sais pas encore la couleur que je vais prendre. Je suis en train de réfléchir. J'ai fait un petit bracelet, donc ça, du coup, je l'ai fait tout simple. Je pense que je vais en faire aussi dans des couleurs. Je vous montre un petit peu comment ça rend. Bon, le contre-jour est en train de me gonfler. Voilà, c'est hyper joli. Et ça, même soit tout seul comme ça ou avec un ensemble aussi. Je vais en faire plusieurs couleurs. Je vais en faire un aussi tout simple, juste avec le bleu et un juste avec l'orange. Et je trouve que l'assortiment comme ça, orange et bleu, c'est canon. Sur le moment, je me suis dit, bon, est-ce que je fais comme ça? Est-ce que je fais un mélange? Et du coup, c'est vraiment canon. Bon, je vous mets dans un autre angle, mais en vrai, ça va toujours pas. Bref. Ensuite, ça c'est le tout premier du coup que j'ai fait, donc qui est rouge et blanc crème avec une petite clé comme ça. Je le trouve trop mimi, voilà. Et celui-ci qui est mon préféré dans les tons de doré avec des perles beaucoup plus grosses. I will show you just one's enough. I bet it's flowing now, but no, go hard, but no, a spot, but no. What am I doing wrong? I feel your clutch pulling me through. I try not to rush. Bon, les gars, je vous reprends. Il est 17h. Passé. Du coup, là, j'ai bien bossé au niveau des colliers. Enfin, j'en ai pas fait non plus énormément parce que vu que j'ai commencé assez tard, voilà, et que j'en ai fait que en mini mini perles. Alors que hier, j'avais fait avec des plus grosses perles, puisque comme je vous avais montré, j'avais fait celui-ci qui était quand même beaucoup plus rapide, vu que les perles sont beaucoup plus grosses, et celles-ci, elles sont quand même plus grosses parce que elles font 4 mm, alors que les autres, elles font 2 mm. Donc vraiment, elles sont toutes petites. Donc voilà, donc là, j'ai fait 3 colliers et une bague, du coup, comme je vous avais dit, que je voulais tester là avec l'œil, comme ça. Voilà, j'aime trop.
Et franchement, vu que l'œil, je ne sais pas si vous vous connaissez, mais en fait, c'est une protection, c'est pour renvoyer le mal. Bah, du coup, moi, j'adore et je trouve ça cool si jamais on aime un peu moins peut-être en collier ou autre, ou qu'on a l'habitude peut-être de mettre un collier tous les jours et que du coup, on n'a pas forcément envie d'associer avec ce collier-ci. Bah, voilà, on peut l'avoir en bague. Je pense que je vais faire aussi, comme je vous ai dit, des bracelets, tout ça. Enfin bref, pour l'avoir vraiment un petit peu sous toutes les formes, mais en bague comme ça, je trouve ça juste adorable. Et du coup, là, j'ai mis comme ça, je peux même le mettre, du coup, tac, la lumière est dégueulasse, là, vu qu'il fait nuit, au pouce aussi, c'est vachement sympa. Ensuite, comme je vous ai montré, j'ai fait le collier avec l'œil, donc qui est le même que la bague. Et j'ai fait celui-ci, qui est pareil, un de mes préférés, il est incroyable, donc du coup, c'est avec une pierre naturelle. J'ai fait celui-ci qui est juste magnifique, qui est aussi plus rat-de-cou, donc qui est avec un espèce de rose métallique comme ça, et avec un petit papillon qui est du coup blanc nacré, et celui-ci, voilà, il a des petites paillettes. Je sais pas si vous arrivez bien à voir, mais on voit rien du tout, c'est de la merde, ça me gonfle. Je vais essayer de vous montrer plutôt comme ça, voilà. Voilà, là on voit mieux. Il est vraiment incroyable. Moi, je suis en train de manger des Kinder, donc je vais pousser. Alors attendez, je vais vous montrer comme ça. C'est vrai que ça serait peut-être mieux plutôt que de vous les montrer. Voilà, regardez comme c'est canon. Franchement, ils sont trop trop beaux. Je les aime trop. La petite bague. Tac. Le petit œil. Franchement, je suis trop trop fan. Je pense que là, après, je vais faire d'autres petits bracelets comme ça, comme je vous ai dit. Je vais en faire un tout orange. Je vais voir, peut-être même pour faire des lots. Je sais pas, je réfléchis un petit peu. Je trouve ça vraiment tellement mignon. Et vraiment, je crois que mes préférés, ce sont ceux-là. Alors, c'est vraiment ces trois-là en collier. Je les trouve juste sublimes. Les autres aussi, hein, je les adore, mais vraiment, ceux-là, ce sont mes préférés. Puis après, vraiment avec l'œil aussi, j'aime trop faire. De toute façon, je les aime, j'aime tous. C'est vraiment des styles différents. C'est ce que j'essaie un petit peu de faire et j'aime vraiment trop. Hello les gars, mais je suis morte. Bon, j'ai une gueule de merde, j'ai trop mal dormi, mais ce n'est pas grave. Je suis morte de rire. Du coup, là, il est 11h30, je suis réveillée depuis un moment. Ah bon, la coupe, là, ça ne va plus. J'ai fait mes cheveux hier. Bref, c'est pas la question, mais je suis morte de rire. Je sais pas si je suis... Si, en fait, je suis un peu au max de ma vie parce que, en vrai, ça veut dire que je fais archi jeune, je suis très contente. Je fais pas mon âge. Bref, enfin quoique, vous me direz, à 25 ans, on peut encore être chez ses parents. Du coup, là, il y a quelqu'un qui sonne. Une dame qui sonne, qui a peut-être une trentaine d'années, quoi. Elle avait moins de 40 ans, ça c'est sûr. Enfin, en tout cas, elle paraissait avoir moins de 40 ans. Elle me dit bonjour, elle me dit, vos parents sont pas là. Je suis morte et du coup, je dis, c'est-à-dire que c'est chez moi, en fait. Je vous jure, je suis en fou rire. Je suis en fou rire, c'est passé là, genre il y a même pas 5 minutes quoi. La meuf m'a demandé si mes parents étaient là ou pas, alors je dis c'est chez moi, et elle voyait que je rigolais quoi. Elle me dit, oh, je suis vraiment désolée.
Elle pouvait me dire le truc sans me demander si mes parents étaient là, quoi. Elle aurait pu juste me dire bonjour, c'est juste pour vous demander. En fait, elle me demandait juste s'il y avait des gens dans la maison qui vivaient juste à côté, là. Et oui, c'est le cas, à moins qu'ils aient disparu, j'en sais rien. Bref, elle me demandait juste ça, quoi. Mais vos parents ne sont pas là. Mais ça m'a achevée, en fait. Ça m'a achevée. Je suis morte et je suis, mais... Là, je me sens jeune et fraîche et pimpante. J'étais très fatiguée. Non, mais par contre, on va se calmer, là, le temps. Ce n'est plus de la pluie, là. C'est les chutes du... Non, mais oh. Mais en ce moment, il m'arrive que des trucs comme ça qui sont hilarants et en même temps... Je me suis dit, madame, vous pensez pas que... quand on a une vingtaine d'années, on peut pas avoir sa maison, même quand on a 18 ans. Hein. Y a des gens qui ont leur baraque à 18 ans, genre... Quand elle a dit... Moi, j'avais un masque, mais ça se voyait quand même que j'étais morte de rire. Elle avait pas de masque, donc j'ai vraiment vu, genre, sur son visage, la gêne, genre, en mode... Oh, pardon. Mais moi, ça me gêne pas. Il y a des gens que ça aurait grave vexé. Moi, bien au contraire, ça veut dire que je fais jeune. Bon, en plus, là, je suis pas maquillée. En plus, j'ai une tenue, les gars. J'ai le pull rouge, là, que du coup, j'avais mis hier pour faire les décos Noël, parce que ça faisait très Noël avec le petit bonnet et tout ça. Je suis en legging et j'ai des chaussettes comme ça. Donc je suis vraiment en tenue, Rendez-vous me donner quel âge, madame? Mais après, comme je vous ai dit, à 25 ans, il y a plein de gens qui sont encore chez leurs parents, donc... Il est 16h49. D'ailleurs, je sais même pas si je vous ai dit quelle journée était. De toute façon, je vous l'affiche comme d'habitude. Hein. Du coup, là, purée, il fait déjà nuit, ça me rend ouf. Il est presque 17h, il est 16h40 et quelques. On a mangé archi tard. Du coup, mon chéri, il bosse en fait ce week-end avec son papa. Donc voilà, donc du coup, même moi, en fait, quand ils sont arrivés, moi, j'étais en train de bosser, j'ai même pas regardé l'heure. Donc on a mangé, genre, il était 15h à peu près. J'allume la lumière parce qu'on ne voit rien. Là, je me suis préparée parce que du coup, j'aimerais bien commencer à shooter quelques bijoux. Enfin, même tous les bijoux que j'ai déjà fait. Je pense que je vais mettre, pour faire les photos des bijoux, un des tops. Je pense que je vais mettre un des tops de ma boutique. Le crop top. Alors, par contre, je sais pas si ça reste dans ma taille. Et là, c'est du M. Bon, bah, je mets du M. C'est pas grave, même si ça va être un chouïa grand. J'espère que normalement mon appareil photo est chargé. J'espère vraiment qu'il est chargé. Bon, bah, sinon je prendrai les photos avec mon téléphone, mais bon, ça m'enquiquinera un petit peu. Du coup, je me suis préparée. Je voulais au début boucler mes cheveux ou autre, mais en fait je les trouve bien comme ça. Donc je les laisse au naturel. Donc du coup, là je vais mettre le petit crop top noir parce que je pense que c'est ce qui rendra le mieux. Et puis vu qu'il est quand même un joli décolleté en V, bah, je me dis que c'est bien. Ce sera bien dégagé, on verra bien les bijoux. J'en ai fait d'autres. Du coup, je vous ai pas montré. De toute façon, je vous filmerai, mais. J'ai fait celui-ci qui est juste beaucoup trop beau. Je l'aime trop, il est incroyable. Du coup, aussi avec les mêmes perles, forme comme ils appellent ça, chips, j'ai fait celui-ci. Et donc celui-ci, c'est avec les perles, vous voyez, dorées. Et j'ai alterné, en fait, j'ai mis 3 perles dorées et après une petite perle, donc dans les tons océan un peu, voilà. Donc canon, je trouve ça trop beau. Et je pense que le combo même des deux, ça sera canonissime. Je me souviens pas si je vous ai montré ou pas. J'ai fait celui-ci avec le cadenas, il est assez ras-de-cou vraiment, et je trouve ça canon, je vais en faire pas mal des vraiment ras-de-cou, je trouve ça sublime. Avec du coup le petit cadenas cœur, voilà. Il y a certains pendentifs qui sont en acier inoxydable et d'autres non. De toute façon, ce sera noté dans tous les cas, de toute façon dans les descriptions, vous savez que je note tout. Donc tout sera noté. Ensuite, j'ai fait celui-ci qui est en ras-de-cou et j'ai fait tout simple, voilà, juste comme ça, j'ai pas mis de pendentif. Et je me suis dit que genre si quelqu'un a envie de faire un combo entre ces deux, avec ces deux-là, là, pépite, genre trop trop beau. Et voilà, c'est tout ce que j'ai fait, ce qui m'a pris déjà un temps fou parce que rien que celui-ci, avec les mini perles. Vous savez à quel point ça me prend du temps, mais j'ai remarqué quand même que j'allais plus vite. Vu que je me suis levée assez tard, vu que je me suis couchée assez tard, c'est ce que j'ai fait. C'est déjà pas mal du tout. Puis après, en plus, j'ai vu que c'est le week-end, machin. Bon, après, même la semaine, je fais du ménage, comme vous avez pu le constater. Mais j'ai fait pas mal de ménage, tout ça, des machines, j'ai passé l'aspirateur, j'ai nettoyé la cuisine, j'ai fait la vaisselle. Enfin bref, le quotidien, quoi, finalement. Donc, je suis vraiment trop contente. Et cela,
trop hâte là de les porter, trop canon, voilà. Donc là je vais faire des photos avec le fond bleu et puis voilà, et après une fois j'aurai fini de faire les photos, il faudrait vraiment que je fasse le montage, j'ai toujours pas fait du coup le montage ASMR, mais je suis tellement à fond là dans le fait de faire les colliers que je pense que d'abord je vais vraiment faire à fond les colliers et ensuite peut-être que plus tard, soit ce soir, soit demain, je ferai le montage de la vidéo ASMR parce que j'aimerais vraiment la mettre ce week-end. Et il faudra que je commence le montage du coup de ces vlogs-là qui seront certainement coupés en plusieurs parce que sinon ça va être trop long. J'ai fait trop de blabla. Enfin, de toute façon, je vais couper plein de passages à mon avis où j'ai trop parlé. Plein de fois où je fais ça, où je coupe, où j'enlève des trucs, où il y a des passages où au final j'ai pas envie de les mettre. Voilà le petit top. Bon, comme je dis, du coup, mais un chouïa trop grand. Normalement, je mets du S pour celui-ci. Voilà, mais en gros, là, avec le décolleté, ce sera nickel pour les colliers, les bijoux, tout ça. On verra bien. Bien évidemment, vous allez voir que j'ai encore l'étiquette, forcément, parce que je le porte juste là pour faire les photos, mais je ne le garde pas pour moi. You make me move, you make me dance, you make my heart beat super fast. Oh non, vous me croyez si je vous dis qu'il n'y a plus de batterie? Non. Voilà, bah, c'est tout ce que vous aurez en backstage. Hein, vu que je vais prendre les photos de mon téléphone. Je suis dégoûtée. Mais pourquoi? J'ai pas réfléchi en fait. Pourquoi je réfléchis pas? Bon, il est 18h30 à peu près. Du coup, là, j'ai fini. J'ai une coupe de folle, du coup. Je ne sais même pas quoi faire après avoir mis mon pull. Du coup, là, j'ai fini les photos portées, en tout cas. J'aimerais bien faire des photos aussi pas portées sur le fond bleu aussi. Mais ça, je pense que je vais faire ça demain. Je sais pas pourquoi, j'ai un énorme coup de barre. En même temps, bah, forcément, en fait, j'avais pas réaliser ça, mais c'est vrai que quand on fait quelque chose et qu'on est archi concentré, comme eh bien faire des colliers, faire des bijoux, enfin voilà, des bracelets, etc. Enfin voilà, tout simplement faire des bijoux. C'est vrai qu'en fait, on est extrêmement concentré et bah, le fait d'être extrêmement concentré comme ça pendant des heures, forcément, ça fatigue. Plus le fait que je me sois endormie à plus de 2h du matin. Bref, du coup, entre-temps, j'ai fait un autre bracelet. Là, je suis en train de faire un collier. J'aimerais bien faire une bague. Là, je vais faire ça. Je vais essayer de finir au moins le collier. Bon, après, la bague, franchement, ça va être très rapide. En même temps, je pense que je vais me mettre des petites vidéos ASMR tranquillou bilou. Je me dis que c'est peut-être pas une bonne idée parce que ça va encore plus m'endormir. Mais c'est un truc que je kiffe. Genre, quand je suis dans une phase où je suis... Genre vraiment j'ai envie de dormir, j'aime bien même dans la journée écouter de l'ASMR pour encore plus m'apaiser. Et ce même quand je bosse ou autre, genre je sais pas, j'ai l'impression que ça m'aide justement à un peu plus me concentrer. Trop bizarre comme nana, mais bon c'est pas grave. J'étais en train de me dire qu'il faut vraiment que demain je prépare le colis pour l'anniversaire de Pauline. Parce que c'est à dire que l'anniversaire de Pauline c'était hier, donc le 3. Du coup il va falloir que je fasse ça et je suis descendue pour... Mon ordinateur, je suis vraiment perchée, c'est hallucinant. Non mais regardez-moi ça en fait. Oui bon, on remercie Sam qui a marché sur mon ordinateur, qui a pété du coup cette partie-là de mon Mac, c'est un plaisir. Il est dégueulasse en fait, entre poussière et traces de doigts et je ne sais quoi. Je sais pas où j'ai mis mon spray en plus pour nettoyer. Faut que je trouve mon spray pour nettoyer, je sais pas où il est. Bon, ouais je vais peut-être faire ça là. Ce sera peut-être mieux pendant que je... transfère les vidéos. I need your touch, and I will show you. Just one's enough. A bed is flowing now, but no, go hard, but no, a spot, but no. Bien le bonjour, premièrement. Est-ce que vous avez vu ce que j'ai fait? Je regardais pas ce que je faisais, et puis j'étais en train de filmer en même temps de me servir, et donc je viens de me servir à ras-bord. Putain, comment je vais faire? Ah, l'idiote du village, mon dieu! Non, mais sans déconner! Qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Du coup, au petit-déj, un thé comme d'hab, de l'eau.
Ça, c'est très important, il faut bien boire. D'ailleurs, hier, je crois que j'ai pas fait mon objectif des un peu plus de 2 litres. Mais bon, c'est pas grave. Fou, hier, mon beau-père est allé chercher des petits déj et tout. Enfin, vraiment trop mignon. À chaque fois qu'il vient, il va chercher des croissants, tout ça. Il avait aussi pris, du coup, des muffins. Il a pris un visiblement au chocolat. Je sais pas si c'est chocolat, Nutella. Et là, je pense que c'est myrtille. Et ça, c'est vraiment, genre, ça fait partie de mes préférés. Je vais prendre les deux. Je pense que je vais les couper en deux. Puis comme ça, je vais goûter les deux. Parce que celui-ci, j'ai jamais goûté. Donc, j'avais trop envie de tester. Et vous avez vu ou pas, donc, cette mignonitude. C'est vraiment trop chou quand c'est mis. Et ça, c'est la tasse que Pauline m'a offerte, m'a envoyée, du coup, pour mon anniversaire. Elle est trop, trop belle. J'aime trop. J'en ai pas beaucoup, en plus, des tasses de Noël. J'en ai deux. Et elle est vraiment trop, trop mignonne. Je kiffe. Donc, voilà. J'ai voulu faire vraiment le petit ensemble avec l'infuseur à thé Père Noël. Et ça, c'est vraiment trop chou. The back and forth has got me so messed up, don't ignore. Je suis trop contente, mon petit cadeau du jour du coup dans mon calendrier que mes amis m'ont fait, c'est un masque Sephora au litchi. Alors j'ai déjà testé, mais là j'ai l'impression qu'ils ont changé leur compo parce que il y a 95% d'ingrédients d'origine naturelle et je crois bien qu'avant c'était pas du tout le cas. Et ils en faisaient déjà au litchi, j'en ai déjà testé au litchi, mais dans mon souvenir, ceux que j'avais testés n'étaient pas 95% d'ingrédients naturels. Bref, dites-moi voilà, si jamais vous savez ou pas, ou si je me trompe et que c'était déjà le cas avant, mais je ne crois pas. Bref, je vous ai pas du tout filmé parce qu'en fait j'ai bossé. J'ai bossé, j'ai fait du montage, tout ça. Donc du coup, voilà, j'ai pas filmé. Là, je vais continuer d'ailleurs mon montage parce que du coup, je n'ai pas terminé. Là, j'étais en train du coup de faire, de dérusher du coup la vidéo. Je pense que je vais faire, là, je vais mettre 2 jours dans un vlog. Et voilà, parce que là, en fait, sinon, ça va être trop long. Et alors, je sais qu'il y a des gens qui adorent les vlogs très longs, mais la plupart des personnes qui me suivent quand même, voilà, n'aime pas forcément que ce soit beaucoup trop long. Donc là déjà ça fait 16 minutes et j'ai mis que le tout début de ma journée, de mon jour 2 où j'ai filmé. Donc voilà, donc là je vais continuer ça. En plus ça met 10 ans parce que je mets 10 ans à importer les vidéos sur mon ordinateur. Je crois que c'est la connexion qui fait ça, enfin c'est insupportable. Bref, donc du coup je retourne faire ça et après je pense que peut-être que je referai encore des bijoux. Non d'abord, non. Avant de faire ça, je pense que je vais m'occuper surtout vraiment des photos. J'ai commencé à retoucher les photos aussi ce matin. Donc ça, je pouvais pas trop... Enfin, ça va pas trop à quelque chose que je vous montre. Il faut du coup que là, je finisse... Fais ma sélection, il faut que je finisse de faire les retouches. Ensuite, il faut que je regarde un petit peu les prix que je décide de mettre, etc. Surtout que les prix seront forcément différents parce qu'il y en a certains où bah, voilà, il va y avoir des pierres naturelles. Il y en a où il y a des pendentifs, il y en a où il n'y a pas de pendentifs. Bref, il faut vraiment que je vois au niveau des prix ce que je vais mettre. Il y a aussi le temps que je mets à le faire parce que voilà, quand même, j'ai mis pas mal de temps, comme vous avez pu le voir, à faire les bijoux. Bah, forcément, quand on les fait main, ça met beaucoup de temps. Donc forcément, ça compte aussi dans le prix des bijoux, ce qui est complètement normal. Puis voilà, et trouver les noms. Je vais faire le réel, tout ça, avec l'annonce, les stories et tout. Aujourd'hui, je pense que je vais faire ça. Moi, je pense que je fais en fonction de l'heure à laquelle Kylian va rentrer. Parce que oui, il bosse encore. Monsieur ne cesse de travailler. Hier, d'ailleurs, j'ai voulu me coucher tôt. Je me suis pas couchée tôt parce qu'en fait, on allait manger au restaurant à 22h. Dans un restaurant qui est vraiment super sympa. Donc, de toute façon, je vous ai filmé vite fait. Qui s'appelle Chez Woody. Très, très bon. Si jamais vous êtes de Vannes ou aux alentours, c'est très, très bon. Du coup, bah, forcément, c'est couché tard parce que bah, Kylian a appelé pour réserver. Et en fait, ils étaient blindés. Ils ont dit bah par contre si vous voulez vous pouvez venir à partir de 22h et vu que de toute façon ils sont rentrés il était genre presque 21h30 bah au final ça changeait pas grand chose mais j'avoue que j'étais éclatée en plus je suis dégoûtée parce que je commençais à faire une grosse crise d'angoisse de toute façon je le savais vu que j'étais très fatiguée moment où souvent j'ai un petit peu de mal à gérer donc du coup je commençais à faire une grosse crise d'angoisse donc j'étais un peu dégoûtée j'avais pas à gérer en fait c'est un quand même alors c'est super bon tout ça c'est top c'est super joli à l'intérieur mais en fait ils mettent la musique assez fort et donc forcément bah, quand on met la musique assez fort les gens parlent très fort parce que forcément on a envie de s'entendre et donc moi quand il y a vraiment beaucoup de bruit il y a beaucoup de monde etc bah ça c'est un petit peu une sorte de déclencheur pour moi où voilà je vais vite être angoissée j'étais très loin de la porte d'entrée donc comme je vous l'ai déjà dit moi j'ai ce besoin de pas forcément être trop loin de la porte d'entrée
pour pouvoir me casser si j'ai envie. Après, j'arrive beaucoup plus à gérer ces derniers temps ces trucs-là, mais c'est vrai que là, bah, hier, ça n'a pas été le cas. Et ça faisait très 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 longtemps que ça ne m'était pas arrivé en sortant d'être vraiment submergée à ce point-là. Donc voilà, mais ça arrive. Ce que je disais à Kian, je suis dégoûtée et tout, je suis déçue. Et il me dit, mais c'est pas grave. Enfin, voilà. Et c'est vrai qu'il faut que j'arrête comme ça de m'en vouloir et de culpabiliser comme ça, en fait. Alors que, genre, c'est pas grave. C'est pas grave, ça peut arriver et j'ai le droit de pas forcément être bien, voilà. Bon, il est 15h30, j'ai enfin fini le montage du coup du premier vlog. Donc comme j'ai dit, j'ai mis 2 jours, comme ça elle fait 20 minutes. Donc je pense que c'est correct, c'est ni trop long ni pas assez. Voilà, après il y en aura peut-être qui seront plus longs. Je vais essayer de jamais dépasser les 30 minutes pour pas que ce soit beaucoup trop long. Et puis après, ça se trouve, il y en aura qui seront beaucoup plus courtes. Donc voilà, là je suis contente. Je vais essayer de faire ma petite miniature. Bon, attends, mais ma tête, ça va vraiment pas là. Hop, ignoble. Bref, il est 16h30. Je ne sais pas ce que c'est que ce putain de beans, mais je vais péter un câble. De toute façon, il faut jamais... Moi, je ne peux jamais avoir une journée où tout se passe bien. Là, je suis en train de péter un câble parce que donc du coup, comme je vous ai dit, là, j'ai fini le montage. J'ai enregistré ma vidéo et là, elle est en train de s'uploader du coup sur YouTube. J'en suis à 80%. C'est extraordinaire. Avec cette connexion de merde, c'est extraordinaire. Parce que du coup, en une heure, 80%, c'est merveilleux. J'ai fait du coup ma miniature qui m'a pris un petit peu de temps pour un truc très basique, mais bref, j'ai voulu faire quelque chose d'autre. J'ai pas réussi, ça m'a saoulé, donc j'ai juste grave perdu du temps. Et là, donc je me suis dit, tiens, vu que là je suis motivée pour faire du montage machin, et je me dis, bon, j'ai pas envie non plus d'avoir 10 000 jours à rattraper pour faire du montage là pour mes vidéos, parce qu'on est quand même le 5. Du coup, j'ai quand même encore quelques jours de vlog à monter. Et là, les vidéos, alors il y a comme quoi, je vais vous montrer. Donc là, vous voyez, donc c'est iMovie. Et en fait, ma vidéo, genre, on voit bien que je parle, qu'il y a du son, mais il n'y a pas de son. Donc depuis tout à l'heure, je suis en train de m'énerver, genre, sur le son, là, sur la barre. Genre, j'augmente, je baisse. J'ai essayé là-dessus aussi, là, et c'est bien à 100. Je ne comprends pas. Et sauf que même quand je vais donc sur là, les vidéos dans mes fichiers et que j'ouvre, je n'ai quand même pas le son. Mais genre, ça, c'est venu comme ça. Je comprends pas. C'est quoi cette... Je vais péter un câble.